je fais dans la vie, j'aide les gens d'affaires à faire des affaires parce que je suis un expert en développement de compétences humaines. J'ai trois domaines, trois champs d'expertise, la vente, la communication interpersonnelle, toute cette communication, cette chimie qu'on voudrait avoir pour influencer, pour être le mieux possible avec l'environnement dans lequel on est, que ce soit professionnel ou personnel, et puis la réussite personnelle. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Donc je fais des formations, je fais des ateliers, je fais du coaching, je fais de la consultation, et mon métier c'est pas de motiver, je suis pas un motivateur. Par contre je suis une personne qui va aider les personnes à comprendre comment ils peuvent trouver leur énergie, comment ils peuvent trouver leur motivation, et puis surtout comment ils peuvent mettre des stratégies en place, que ce soit des stratégies pour atteindre des résultats, de se fixer des objectifs. Hein. La grande difficulté de la majorité des gens, c'est qu'ils sont pleins de bonnes intentions, puis la nature humaine n'est pas aussi simple que ça, c'est compliqué. L'humain, le cerveau est un peu feignant, donc il y a énormément d'habitudes que l'on a. À l'intérieur des habitudes, il y en a des bonnes, c'est parfait, mais il se peut et il y a souvent des habitudes qui sont à changer parce que l'environnement change. Donc essayer de les changer, ça prend de l'énergie, ça prend du temps et ça prend des stratégies. Donc c'est mon métier, c'est d'aider à développer ces fameuses compétences, ces habiletés.